Litchi n'est pas mon véritable nom. C'est celui que j'utilisais lorsque j'organisais des rencontres consacrées au développement personnel. Beaucoup de gens cherchent des réponses. Beaucoup de gens sont perdus dans la vie qui ne sont pas les leurs. C'est pour cela que je proposais ces séminaires, très rentables. La plupart du temps, ils étaient ennuyeux. Sauf une fois, la dernière. Lors de la deuxième nuit du séminaire, les faits dont mes stagiaires et moi avons été témoins furent si effrayants, si épouvantables, que je ne pourrai plus jamais oublier ce village. Je ne pourrai plus passer dans cette région sans que ne surgisse en moi ce terrible souvenir. C'est ce souvenir que je vais évoquer ici. Madame Geneviève soit dérangée dans son repos. Je sais, maître. Je vais faire attention, maître. L'autre jour, il y avait des promeneurs, pas très loin du châtaignier. Mais j'aurais fait peur, maître. J'aurais fait peur, mais il ne faut pas que ça se reproduise. Oui, maître. Pardon, maître. Et fais attention à ne pas être trop rustre avec nos invités. Oui. Tu as tendance à faire peur aux gens. Pardon. Allez, maître. Tu peux aller t'occuper de leur arrivée. Oui, merci, maître. Litchi, oui, Litchi. Ah, d'accord. Oui, oui. Hein? Les mails avec Litchi, oui. Je peux rentrer? Hein? Je peux rentrer? Ouais, allez-y, allez-y. Attends, il faut les
venez voir Litchi. Oui, je viens voir Litchi. Ah, moi aussi. Oh, je viens voir Litchi. Que Litchi, c'est mon ami. Une station de ski. C'est ça le problème d'amour. Elle est venue pour ça aussi, tu vois. Ah oui, je comprends, oui. Moi, par contre, je note les taxes indirectes et les revenus fixes. Au fait qu'ils ne sont pas les taxes indirectes. Les revenus fixes. C'est beau. Mais oui, c'est beau ça aussi. Tu peux le noter. C'est beau, ouais. Tu non, mais elle ne pourra pas le noter. Elle ne pourra pas le noter. Elle est pas. Parce qu'il ne laisse pas me faire ça. Voilà, ce qui est extraordinaire, je me présente. Mirabelle, enchantée. Enchantée. Hein ? Salut, Orgules, pour le séminaire. Hein ? Et qui ? Ben, c'est Gérard, tu me reconnais pas ? Ah ! Erreur ! Ah ! Ah ! Eh, Livy ! Ouais, ah là 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 ! J'ai trouvé une boutique, c'était trop bien, mais j'ai acheté du maquillage et du vernis. Alors regarde, j'ai pris du violet, parce que le violet, c'est... ça va trop bien, il est trop beau, regarde, regarde. À demain, j'en mets. Excusez-moi, je ne me rappelle plus ton prénom. Moi, je m'appelle Gérard. Il y a une boutique de maquillage. Mais où c'est ? Ça, c'est trop beau. Ah oui, c'est... Mais tiens, c'est une boutique de maquillage. Mais est-ce qu'on s'est eu par mail ou... Non, tu vois. Non, ça me dit rien, Gérard. Excuse-moi, tu sais si ce téléphone marche ? Je suis bien contente d'avoir un nom dans le groupe.
Ah non, mais laisse tomber. Attendez, moi je comprends pas bien là. C'est, vous êtes bien l'entreprise de RN. Sur la pointe des pieds, on capte pas vraiment. Tu peux rien capter. Non, pas du tout. Moi j'avais noté. Vous êtes un coach, un truc comme ça là ou... Oui, je suis un coach, je suis le coach de la vérité. Oui. Mais c'est quoi? C'est une entreprise qui a commandé deux coachs ou. Du scotch pour attacher ou pas de. Non, mais vous. Mais non, mais moi je suis coach, moi je viens là pour les aider à trouver leur voie par le sport, par la performance, la recherche de... Gérard, je vais vous dire une chose encore. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là ce soir, c'est votre chemin. Et croyez-moi, le chemin ne ment pas. Pomme, tu peux le noter, ça? Je suis d'accord. C'est moi qui l'ai dit, ça. Hein, le chemin ne ment pas. Je suis d'accord. Donc, Gérard, si vous êtes avec nous... En plus, je suis bien contente qu'il y ait un garçon, hein. C'est bien, on a un garçon dans le... Ouais, moi, je suis trop contente. Hein. Dans l'équipe, c'est bien, parce qu'il se nous manque un peu d'hommes dans l'équipe. Alors, en même temps, avec 5 gonzesses comme ça, moi, ça me dit bien de me suivre votre chemin, là. Et écoutez, mais... Nous sommes là, demain soir nous faisons le rituel demain soir. Vous pouvez être là si vous voulez. C'est avec plaisir, vous êtes bienvenu Gérard. Mais normalement il me loge moi ici. Hein. Je peux rester cette nuit là? Ah oui. Oui je pense qu'on peut... Ça mettra de la vous avez pris vos maillots de bain? Vous avez toutes pris vos maillots de bain? Oui. Vous y avez pensé? Oui. Bon, mais Gérard je suppose que vous n'en avez pas. Non parce que vous n'étiez pas au courant. Alors. On verra. Un problème. On verra comment on va faire. Comment ça se fait là, ce week-end, j'ai loué, moi. Et vous avez loué aussi pour ce week-end. Ils ont fait une erreur, ils se sont trompés. Non, mais écoutez, moi, c'est simple, j'avais noté 18 janvier, le séminaire avec ERM. Mais le 18 janvier, ah mais Gérard, le 18 janvier, c'est le week-end dernier, vous oh, quittez pas. Oh putain, merde. Ah mais tout s'explique. Ah mais voilà. Explication. Moi j'ai dit Gérard, il n'y a pas de hasard. Gérard, il n'y a pas de hasard. Gérard, il n'y a pas de hasard. Alors, vous me plaisez bien, je vais rester avec vous. Vous nous apprendrez quelques passes. Oh putain, si je m'attendais à ça. Là, je suis tombé, c'est les fruits du verger, quoi. Il n'y a plus qu'à les cueillir. Putain, les 5 filles, elles ont l'air toutes plus bêtes les unes que les autres. Ce soir, j'ai plus qu'à choisir la chambre. Et je vais essayer de suivre le chemin, de le trouver. Mais la Litchi, là, c'est quoi pour vous, là? C'est votre entraîneur? Eh bien, c'est le guide. C'est le guide. Eh oui, le guide de montagne. Ouais, le guide de haute montagne. Ah non, c'est pas le guide de haute montagne. Vous n'avez pas parlé par mail avec elle? Non, moi, je viens d'arriver. Je croyais qu'il y avait une station de ski pas loin. Ah, mais en fait, vous venez pour faire du ski? Eh bien oui. Ah, mais vous êtes des sportifs aussi alors? Eh bien oui. Ah, parce que vous en avez pas tout l'air. Hein. Ah, ben moi oui, hein. Moi, j'étais là pour ça. Moi, j'aime pas le sport. C'est trop fatigant. Ah, c'est bien ce que je me disais, quoi. Mais ça a l'air d'être sportif quand même ce que tu fais là. Ah, ouais, c'est de l'art. Ça, c'est de l'art. Faut repousser les petites peaux mortes. Ça s'appelle comment d'ailleurs? Les cuticules sont votées sous. C'est ça. Non. Les cuticules. Ouais. Oh, faut les repousser. Bah, et toi, tu supportes quel club? Non, mais moi, je supporte tous les clubs. Ça te dirait de venir visiter les vestiaires de mon club? Ah, moi je veux bien aller visiter les vestiaires, moi j'aime bien.
Voilà, ça m'intéresse le sport en fait. Ah, parce que moi en fait, moi je suis entraîneur de l'AS Montbazillac là. Ah ouais. Ah ouais. Oh, on joue en fédéral 3. Hein. Oh, bien. Et l'année dernière, on est arrivé 4e. Hein. Oh. Et c'est les enculés d'arbitre là, ils nous ont fait reculer. Oh. On aurait pu le gagner ce putain de championnat. Ah oh, ouais. Et alors on peut y aller quand voir les joueurs? Alors, demain, on joue pas. Mais lundi, je peux vous abonner. C'est l'entraînement. Et en dos. Je crée un hymne pour ton cœur. Tu veux faire notre supportrice, ça? Ah, une groupie! Ah, c'est fantastique! Parce que moi, en plus, moi, j'ai toujours adoré la musique. Quand j'étais jeune, je voulais être chef d'orchestre. Ça va, ça? Ah ouais. Vous croyez qu'elle paye des taxes à l'État? Pourquoi faire? Je ne sais pas, pour son activité. Je sais pas, mais en tout cas, elle a des beaux colliers. Il faut que je lui demande où est-ce qu'elle les a achetés, parce que j'adore ces colliers. Moi, qui fais ma musique, alors on se revoit. Mais avec la litchi, là, vous allez faire quoi? Bah, les boutiques! Vous êtes venu ici pour faire les boutiques? Bah oui! On va pas faire les boutiques. Mais ici, c'est la campagne, faut en profiter. Mais je sais pas, on va aller marcher, on va aller s'aérer, on va aller essayer de changer de vie, de faire quelque chose. Ah ouais, changer de vie? Et oui, c'est une... Je pense que nous avons quelque chose à faire ici. Et pas seulement les boutiques, d'ailleurs il a raison, les boutiques. Où y en a-t-il ici des boutiques? Il y a 4 maisons, une église et un cimetière. Moi j'ai déjà trouvé une boutique de maquillage, alors j'espère trouver une boutique de vêtements. Parce que... Enfin moi, je ne sais pas en fait, réellement je ne sais pas, je me demande. Moi je suis d'accord pour tout de toute façon. Vous avez l'air d'une fille bien. Ah oui. Chez moi, tout cadre, tout est carré, tout est parfait, voilà. T'es sûre que tu vas faire les boutiques alors, vraiment? Parce qu'elle parle de changer de vie quand même avec Litchi. Oui, c'est pas la même chose que de faire des boutiques. Mais c'est vrai qu'elle m'avait promis qu'en discutant ensemble, elle arriverait à faire sortir chez moi des choses. Et elle m'a dit qu'après ça irait mieux. Eh bien, les choses à l'extérieur de la boutique, en fait. Et moi aussi, hein, je peux vous faire sortir des choses. Ah à l'extérieur ouais de la boutique. Ah, carrément. Ah hein. Ouais. Ça t'intéresse, ça hein? Ah, ben moi, il y a tout qui m'intéresse. Enfin, Gérard, c'est Gérard, n'est-ce pas? Mais vous savez, avec le sport, on fait plein de choses intéressantes. Hein. C'est ça, divisé par 80. Putain, ça, c'est bon. Hé, Litchi, t'es trop forte. Ça, c'est du week-end, mais hyper rentable, quoi. Waouh. J'ai pas sommeil, Il est l'heure d'aller se coucher. Ça. Allez, Pamela! Allez! Pamela! Allez, viens voir maman! Et viens! Une, deux!
Depuis 15 ans, oui. Depuis 15 ans, voilà. Et donc... Ça a mes... Je suis venue ici, je ne sais pas vraiment pourquoi, voilà. Donc, voilà, c'est là que je... C'est notre concierge. C'était quand même pas possible. Oui, donc oui, tu ne sais pas encore tout à fait, tu n'as peut-être pas tout à fait trouvé ta voie non plus. Il semblerait que je sois venue ici pour trouver mon chemin, pour trouver une renaissance, pour trouver quelque chose qui me mènera quelque part, mais... C'est difficile, hein, c'est pas... C'est pas toujours facile, oui, c'est des blocages. Ah, les blocages, là, les blocages sont toujours là. Ils sont toujours là. Toujours. Alors, le groupe va essayer de t'aider pour ça, hein, si tu veux bien. Eh ben, j'en suis ravie. Hein, oui. Le jour, ces blocages m'empêchent de vivre, en fait. Oui, voilà, ces voilà, blocages voilà. sont quelque chose qui... Voilà. Alors, c'est un conditionnement mental dont je n'arrive pas à me débarrasser. Ça, je m'en rends compte depuis 15 ans, oui. Bien que tu... Oui, et je travaille depuis 15 ans, oui. Gudrun m'a expliqué que tu avais une certaine affinité avec les chiffres aussi. Ah, les chiffres. Ah, Gudrun a raison, les chiffres. Ah. Les chiffres, c'est toute une vérité, les chiffres. Parce que les chiffres, ça cadre. Oui. Les chiffres, il ne faut pas se demander voilà. qui va où, qui fait quoi, qui doit se rendre quelque part. Non, les chiffres, là, voilà. ça part à zéro, ça retourne à zéro, la boucle est bouclée, et il n'y a plus de questions à se poser. Voilà. C'est pour ça que j'aime les chiffres. Oui, oui, oui. Parce que... Alors, oui, alors justement, très chère Mirabelle, tu ne sais pas sans savoir que... Tout un chacun, nous nous sommes acquittés de nos 500 euros. Ou... Ah, mais c'est certain, mais je l'espère bien. J'aime beaucoup hein, Gérard et Pomme qui nous ont rejoints hier soir. Oui, oui. Ils ne se sont pas acquittés. Ils ne se sont pas acquittés de leur dû. Ils ne se sont pas acquittés de leur dû. Vous ne leur avez pas demandé de s'acquitter de leur dû? Très chère Mirabelle, je comptais un petit peu sur toi pour m'aider sur cette tâche parce que moi je suis loin de ces contingences, tu comprends? Je suis la personne. Je suis la personne qui vous voilà, très bien. Donc on va pouvoir s'en occuper. Oui. Alors je vais appeler Pomme, on verra pour Gérard après. D'accord. Pomme! Pomme, tu peux venir? C'est vrai qu'on est dans un monde très agressif et maintenant il faut se protéger des gens aussi. Oui, des mauvaises énergies, on m'a dit. Des mauvaises énergies, oui, c'est ça, Pomme, tu sais. Moi je pense que tu as ta place ici, moi je trouve. Moi je dis toujours une chose. C'est Orgul, c'est notre concierge parce que on loue ici, on le loue là pour le stage. De développement personnel que j'organise. Mais tu sais, Pomme, je suis très heureuse que tu sois là. C'est vrai? Je suis très heureuse parce que, tu vois, Pomme, cette pomme, elle est ronde. Elle est ronde, elle est parfaite. Et pour moi, tu vois, Pomme, quand tu es arrivée, j'ai vu qu'on avait enfin fermé notre cercle, que le cercle était complet. Tu vois? C'est comme ça que je t'ai vu arriver, Pomme, tu vois. Tu vois, moi je dis qu'il n'y a pas de hasard. Hein? Oui, je suis d'accord. Moi je pense que tu es bien avec lui. Et je pense que tu dois le... Fais un peu frais, je suis désolée. Parce que c'est... Je vais demander à Orgul de mettre un peu... Orgul, vous mettre un peu de chauffage? Donc, alors Pomme, je disais que... je pense que tu as ta place parmi nous. Hein. Je pense qu'elle devrait rester avec nous. Hein. Voilà, c'est à ce stade que je me permets d'intervenir, Pomme. Donc, c'est que vous n'êtes pas sans savoir, en fait, que toute association a des frais fixes. Oui, les frais fixes. Voilà, qui sont en fait matérialisés par le coût des loyers, le coût des... J'ai oublié. Mais vous inquiétez pas, Orgul, on s'en occupe, on va s'en occuper. Je vais m'en occuper, moi. Oui, on s'en occupe.
Voilà, je disais donc par le coût de la nourriture, par le coût des taxes, le coût de l'électricité, toutes ces choses-là, et que l'association qui est en fait dirigée par Litchi propose des stages qui sont rémunérés. De développement personnel. Voilà, de développement personnel. Vous nous suivez jusque-là, n'est-ce pas ? Isabelle en a besoin aussi. J'en ai beaucoup besoin aussi et j'ai payé donc mon dû. Donc voilà. Puisqu'il semblerait que vous souhaitiez vous joindre aux autres participants, oui, je pense que tu en as besoin. Ça te fera beaucoup de bien. Hein, je pense que tu en as besoin aussi. Voilà. Il est donc normal que vous vous acquittiez de votre dû qui est de 500 euros hors taxe. Est-ce que ce sera possible ? Est-ce qu'on peut s'arranger pour que ce bruit cesse une fois pour toutes ? Mirabelle, tu devrais être un petit... Mirabelle, je pensais à une chose là, parce que là, on va essayer de demander à Gérard de s'acquitter de sa dette. Tu vois, c'est sûr. Moi, je pensais, Prunette, tu viens ? Prunette, tu viens ? Oui. Tu sais, je t'avais dit de faire la réunion avec nous. Hein, parce que ouais, ce serait bien que tu fasses la réunion avec nous. Il y a Gérard qui va arriver là, tu vois. Il y a Gérard qui vient. Oui, il va arriver. Donc, il va arriver, je ne sais pas ce qu'il fait. Gérard, t'es là ? Ouais, j'arrive. Bon, d'accord. Alors, Gérard, merci, c'est super. C'est super de venir à la réunion, c'est super. En fait, je voulais te parler parce que tu le sais, là, nous, on fait un séminaire de développement personnel. Hein, tu vois. On a loué le gîte là pour deux jours. Puis il y a des animations, etc. Donc, c'était pour te dire que, en fait, la prestation est payante, quoi. Ah, donc si tu peux aussi. Alors je vais te montrer le fascicule là, des prestations. Là. Du coup, voilà. Est-ce que tu peux lui expliquer, Mirabelle, s'il te plaît ? Voilà. Outre le salaire de Litchi, en fait, pour sa présence ici, il y a aussi à calculer évidemment les frais, qui sont les frais de location du gîte, qui sont l'électricité, qui sont la nourriture et bien d'autres choses sont apportées sur place et dont il faudrait bien sûr vous acquitter. Moi, quand je fais des stages ici, je fais payer 100 euros, quoi. Oui, mais je comprends très bien, quoi. C'est normal. Alors donc, là, il fait petit malentendu, je pense. Voilà. Il faut bien comprendre que ce sont les 500 euros que vous allez nous devoir par la suite. Combien ? C'est 500 euros. 500 euros avec le menu de verre. Vous l'oubliez ? Oui, on l'engueule. Vous l'oubliez ? Si, il va payer, on l'oublie, il va payer. Il va payer, oui, je pense. On va trouver une solution. Bien sûr, Orgule, s'il te plaît. C'est notre cher concierge. Oui, je l'aime. Oui, exceptionnel. Tu peux retourner en cuisine, s'il te plaît, Orgule. Il va payer, je pense. Il va payer. Il va payer. Oui. C'est 500 euros avec la prestation au maillot de bain. Voilà, tout est inclus. Tout est inclus. Taxes comprises. Voilà. 500 euros, vous en faites pas, vous. Mais pensez au bien-être. Le bien-être. Pensez au bien-être que vous êtes venu chercher et que vous attend ici. C'est quoi votre histoire de maillot de bain, là ? Écoutez, puisque c'est vous, Gérard, et qu'il n'y a pas de hasard, je vais vous expliquer. Ouais, ça arrivait, mademoiselle Pierre. Ça arrivait. Je n'aime pas Gérard. Non, Gérard, il ne veut pas payer, Gérard, il ne veut pas payer. Les gens qui posent des questions, non, pas les gens qui posent des questions.
que vous êtes belle. Vous avez la peau si douce. Mademoiselle Claire, quand même. Je crois que je devrais pas venir là. Ce maître, il surveille. Après, il va me gronder, le maître. Faut que j'aille voir les autres. Et puis, faut que je les surveille. Faut pas qu'ils aillent au châtaignier. Non, non. Mais Mordieu, il protégera le châtaignier. Non, non. Pas le châtaignier. N'est-ce pas, hein? Oui, oui. Je sais, Mademoiselle Claire, je sais. Mais... je fais de mon mieux quand même, je sais pas. C'est pas de ma faute à moi. Pardon, c'est clair. Merci. Merci. Le maître dit la même chose. Il dit la même chose. Il est content, le maître. Merci, mademoiselle Claire. Ta gueule. Bravo, bravo. Merci. C'est vrai que moi je reçois ça comme un don d'amour. Hein. Hein? C'est un don d'amour que nous fait Figueline. Mais c'est vrai que... ça m'indispose, moi, personnellement. Voilà. S'il te plaît, peut-être que... est-ce qu'on pourrait trouver un endroit pour ranger le ukulélé? Tu veux bien me le prêter? Tu le gardes et tu ne joues pas pendant la réunion. C'est important parce que nous allons tous nous présenter. Parce que là, pour l'instant, on a échangé par mail les unes et les autres. Et donc, on ne se connaît pas vraiment. Alors, on va commencer. Alors, je me présente. Moi, je pense que parmi vous, je suis celle que vous connaissez le plus. Moi, c'est Litchi. Hein. Je vous fais passer, je me reste un fascicule, je vous le fais passer. Hein, comme ça, vous saurez un peu mieux les exercices que nous allons faire ce soir pour pouvoir nous développer, nous épanouir personnellement. Hein. Donc là, ça vous le regarderez tout à l'heure. Et maintenant, on va se présenter. Vous allez vous présenter chacune et chacun d'entre vous. Pardon, Gérard. Quand même, vous quand même pas une tronche de gonzesse. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Présentation, c'est maintenant. Ah, bravo. C'est bien, Pomme, parce que tu sais recevoir de l'amour. Oui, c'est de l'énergie. T'as du positif, c'est la voix. Tu sais recevoir et ça, c'est bien. Mais c'est pas forcément facile. Donc, est-ce que tu peux... on va commencer par toi, Féline. Alors, dis-moi, comment tu... alors, comment tu t'appelles? De personnalités multiples selon ce qu'a révélé mon psychologue et je suis venue ici sur ses conseils pour essayer de trouver le cheminement vers la paix intérieure. Voilà, c'est très très bien dit. Je suis très fière de toi parce que tu as su exprimer, hein, la présence qui t'a menée, la raison pour laquelle tu es venue, ce qui n'a pas été, même hier c'était pas encore facile. Tu as fait un progrès incroyable,
vraiment, je te félicite. Je pense qu'on peut aussi applaudir Mirabelle. Avec une petite. Alors, voici Pomme. Pomme, c'est très particulier parce que c'est le chemin qui est magique, qui nous a amené Pomme. Pomme, est-ce que tu peux nous raconter ce que, comment oui. tu es arrivée parmi nous? Donc, je m'appelle Pomme. Bienvenue, Pomme. Merci. En fait, j'ai été déposée juste à côté de l'église. J'avais fait du stop et on m'avait promis de m'amener au ski. Et en fait, je cherche encore la station de ski, mais je vous ai rencontré. Il n'y a pas de neige. Donc c'est le hasard, hein, parce qu'en plus il y a Gérard. Voilà, ça c'était là. Ça plaque. Mais du coup, voilà, j'ai compris que ici je pourrais plus trouver le sens de la vie grâce à Litchi. C'est ça. Et donc je me suis dit, ben pourquoi pas, j'ai déjà, je suis passée du labello. Au maquillage, alors. Bravo! Voilà, c'est super! C'est chouette! Voilà, je suis super contente déjà pour le début. Ah, super! Voilà. Super! Moi, je suis très heureuse que Pomme soit parmi nous. Merci. D'autant plus qu'elle a réussi à s'acquitter de là. Et c'est très très bien. Alors, une histoire tout aussi étonnante que celle de Gérard. Comme je dis toujours, Gérard, il n'y a pas de hasard. Donc Gérard, est-ce que tu peux me raconter qu'est-ce qui t'a mené ici? Par quel cheminement? Moi donc c'est Gérard, mais à la base je suis entraîneur à l'AS du village là. Bienvenue Gérard. Merci. Et puis je suis aussi coach sportif, je fais ça les week-ends pour animer les trucs d'entreprise là. Et je devais animer, mais en fait je me suis trompé de date, donc je suis tombé sur vous. C'est trompé de date. Moi je dis pas Gérard. Et il n'y a pas d'erreur, moi je dis. Il n'y a pas d'erreur. Bon, après, on ne se trompe jamais, tu sais. Le chemin ne ment pas. Ouais, bah, tu le noteras cette pomme. Le chemin ne ment pas. C'est ça, je le noterai. Je l'ai dit là. Bah, vos histoires de chemin, là, je comprends pas bien encore, mais bon, ça m'a dit bien de le chercher avec vous. Ça change. Oui. Merci Gérard. Tu passes pas aussi là. Enfin, on en parlera après, ou on en a déjà parlé, je sais plus. Enfin, bon, peu importe. On va voir avec notre chère petite Prunette. Oui, bonjour. Prunette. Alors, Prunette, tu m'as trouvé par le salon, je crois, le salon du développement personnel. Oui, parce que moi, j'adore tout ça. Et d'ailleurs, j'ai vu ton petit prospectus, et du coup, c'est vrai que chasser les toxines, ça, je l'ai fait, le bien-être abdominal. Alors là, je vous le conseille, hein, parce que c'est important pour la silhouette, le bien-être abdominal. Et puis comme ça, et c'est des sports aussi. Ouais, ça marche bien. Oui, ça crée du lien social aussi. Et j'étais. Alors peut-être que tu le sais, Prunette, parce que tu as l'air d'être dans cette culture-là. Moi, mon maître a été le Ravi Shardar Jaffar pendant 10 ans. Tu veux pas le connaître, hein? Oh, oui. Voilà. J'adore. J'ai aussi travaillé avec. Mariana Randi. Ah oui? Oui. Pendant 15 ans. Mariana, oh, la chance, t'as trop de la chance. Moi, oui, j'adore tout ça et je suis contente d'être là. Au début, j'étais un peu triste parce que j'avais trouvé qu'un magasin de maquillage. Oui. Mais en fait, grâce à toi, j'ai compris, et puis grâce à tout le monde, quoi. Que c'était important qu'il n'y avait pas que ça. Voilà, c'est ça. Ah bon. Bienvenue, Prunette. Merci. L'échalote dans ma soupe à la carotte. Et puis il y a Pamela, et qui a ses ragnagnas.
Alors, merci Figueline d'avoir arrêté. Maintenant, on va se dire ce qu'on fait dans la vie. Alors, on va refaire le même tour de table. Figueline, alors dis-moi, toi, quel est ton métier ? Je suis chanteuse et je joue du ukulélé. Ah, pardon, c'est bien ça, je sais pas. J'ai pris les cours, j'ai 15 ans d'activité derrière moi. C'est mon papa qui a assumé. Oui, c'est bien, c'est intéressant ce que tu dis. Ce sont tes parents qui ont avancé l'argent pour le séminaire, c'est ça, hein ? C'est ça aussi. Hein ? Parce que c'est eux qui ont payé, tu vas rembourser après, c'est ça. Moi, je vais donner des comptes à pour rembourser mon papa. Merci, merci Figueline. Bravo ton papa. C'est beau, c'est beau, c'est très beau. C'est, tu as beaucoup de talent aussi. Elle a beaucoup de talent, oui, hein ? Oui, elle a beaucoup de talent. Bravo Figueline, bravo. Mirabelle, tu peux nous dire un peu ce que tu fais dans la vie, ce qui te permet de gagner ta vie et de payer ce séminaire ? Je suis experte comptable. Ah, ça c'est bon. Oui. Certifiée d'étanglité. Figueline, s'il te plaît. C'est-à-dire, t'es une fille qui compte toute la journée, quoi ? Ah, je suis implacable sur les comptes. Je suis, comme je disais, certifiée d'état. Les doigts d'intelligence. Spécialisée dans les taxes indirectes. Wow. Rien ne m'échappe. Rien. Wow. Problème. Voilà. Tu aimes beaucoup les chiffres, c'est ça. Les 7, les 8. Tous. La numérologie, non, tu t'es déjà intéressée à la numérologie ? Ou c'est pas. J'ai encore jamais abordé l'aspect de la numérologie. Le numéro en soi me suffit pour le moment. D'accord, oui, oui. Je suis très épanouie. D'accord. Avec la comptabilité, les chiffres et la mathématique. Voilà, c'est ce qui épanouit Mirabelle. Voilà. Et moi, ça veut pas tout. Je pense que tu es quelqu'un de très intelligent, oui. Mirabelle. Je pense que tu es très fort QI. Hein. C'est incroyable. Je suis très fière, moi, d'avoir quelqu'un comme toi dans mon groupe. La comptabilité. La comptabilité. Bravo, Mirabelle. Merci. Alors toi, ma petite pomme, oui, ma petite pomme qui est arrivée de nulle part, envoyée par le hasard. Alors pomme, dis-moi. Moi je travaille, je suis vendeuse à Sephora à Saint-Gaudens. Même si j'aime pas trop le maquillage, quoique je commence à me mettre quand même un maquillage. C'est une belle maquillage. Sephora. Oui. Mais tu m'avais pas dit. J'ai pas osé. Et si tu veux, je pourrais t'avoir des coupons. Oui, j'aimerais trop. D'accord. Donc, ça fait quelques mois que j'avais économisé pour mon week-end en ski. Et bon, mais au final, ça va payer un merveilleux week-end qui sera beaucoup plus... plus enrichissant. Enrichissant, oui, voilà, pour moi, personnellement. Oui, je pense que ça va beaucoup t'aider sur ton chemin de vie, Pomme. Ouais. Oui, c'est vrai. Je suis très contente aussi. Et je suis très contente aussi. Gérard, alors toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais du sport, c'est ça ? Tu as l'air d'être sportif un peu, un grand sportif. Il a des muscles. Il a l'air, oui. Touche pas, c'est moi qui touche. Ah, ouais. Moi, je suis pas trop dans les comptes. Hein. Moi, je sais compter jusqu'à 11. C'est le nombre de joueurs dans l'équipe. Moi, Gérard, parce qu'il est drôle. Gérard. Ouais, je suis entraîneur. Donc, entraîneur de l'AS de Sauveterre de Comminges. Ah oui, oui, là, c'est super. Et on a fait troisième en division d'honneur l'année dernière. Wow. Troisième. La troisième du championnat. Oui, d'accord. Championnat de foot. Wow. Wow. Ah, wow. Bah, oui. Ah, tu entraînes du football. Bah oui, 11. Oh, il entraîne du football. Gérard. Il y a 11 joueurs. Hein. Ouais. Avec les entraîneurs et les remplaçants et les arbitres, ou c'est pas... Ah non, en tout, on est à une bonne vingtaine. Oui, voilà. Par équipe, et puis il y a deux équipes, donc ça fait une bonne quarantaine. D'accord. Et dans ceux qui tiennent à la buvette aussi, ou pas du tout? Ah, sans les compter, mais c'est vrai que c'est les plus importants. C'est les plus importants, parce que c'est quand même important, le lien social. Et les vestiaires aussi, c'est important. On va les visiter. Voilà, on dira. C'est le lien social qui est important avant tout. C'est de l'amour aussi. C'est de l'amour. Faut être sur le lien social. S'il te plaît. Alors, nous avons donc Prunette. Alors,
repris net, toi, quelles sont tes activités professionnelles qui te permettent de t'acquitter de... Eh ben moi, j'adore les animaux. D'ailleurs, je suis venue avec Pamela. Oui, on a vu Pamela. Pamela qui a déjà fait un stage, hein, parce que c'est important que les chiens aient une psychologie développée, qui se sentent bien dans leurs pattes. Voilà, parce que j'adore pomponner, me pomponner moi et pomponner les petits toutous aussi. Et les poneys aussi. Non, pas les poneys. Tu nettoies que les chiens. Que les chiens. Que les chiens. Donc je leur coupe les poils, je les rembourse, je leur mets du parfum. Et dans ma boutique, on vend aussi des vêtements pour les petits chiens. Ceux qui en font. Et il y a des accessoires. Ceux qui parce en que c'est important, les chiens soient bien coiffés comme leur maître. Oh. Mais, oui. Mais ça aussi, c'est de l'amour. Ah oui. Ça aussi, l'amour des bêtes, c'est de l'amour, ça d'amour. Aussi, vous savez. Vous le savez. C'est d'amour, vous savez. Vous savez. La beauté du chien. Ça va venir, c'est plus que... Je crois que j'ai continué à jouer de cette manière. Ça va vraiment finir par m'énerver.
ce soir, nous allons invoquer l'esprit de Pardi Jaffar. Mmh. Oui, Pardi Jaffar, tu le connais? Et c'est toi peut-être qui le connais. Je le connais. Toi, tu je le connais. Connais. Voilà. Le connais. Alors, on va l'invoquer. On va... Putain, j'ai des petits coups de froid. Froid. C'est vrai qu'il fait froid dans cette pièce. C'est impossible. On va évoquer l'esprit de... Pour ça, il faudrait... joindre ses mains comme ceci. Ou plutôt... Non, comme ça. Pardon, excusez-moi, je ne connais pas bien. Une fois que nous avons joint nos mains, nous rejoignons les mains de nos camarades. Comme ceci. Et nous appelons... Pardi Jaffar. Pourquoi j'ai froid comme ça? C'est pas possible. Orgue! J'ai une douane de l'orgue. On va arrêter les. On va détacher les. Orgue! Il fait froid. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il fait froid? Tu as mis le chauffage? Ouais, le moi. On va reprendre. On va reprendre. Pardi Jaffar. Est-ce que tu n'as pas surpris notre ami Orgule
dans une conversation étrange, ce tonto. Je l'ai vu discuter avec le mannequin. Là-haut. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait des choses étranges, tu m'as dit. Il disait qu'il avait bien caché les choses. Dans un pré, sous un châtaignier. Mais tu étais au courant? Non, je n'ai pas du tout, j'espère que nous n'en pas vendu. C'est pas vrai! C'est pas vrai! Non! Non! Mais voir le maître! Ouais, va dire au maître! Non! De quel maître? Non. Quel maître? Oh mon dieu! Demain matin! J'ai peur! Non! Demain matin, nous allons partir au châtaignier! Et nous irons voir ce qui se passe! Nous prendrons des pioches et des pelles! Oui, je suis je d'accord. Je suis certaine. Je suis d'accord. Que encore est intérêt que nous trouvons quelque chose à côté. Je suis d'accord. Allons-y. Je ne suis pas trop pour, mais bon, enfin, finalement, peut-être que cela ne nous concerne pas. Je suis prête à parier qu'il y a un secret qui se cache entre les deux châtaigniers. Il faut déterrer le secret. Mais moi, j'ai peur. Moi aussi, j'ai peur. Moi aussi, j'ai peur, mais il faut qu'on aide cette jeune chèvre. Avec Orgul. C'est que nous avons fait le bon choix. Demain, nous partirons voir ce qui se passe. Moi, je trouve que c'est dangereux quand même. Oui, je sais. Même à l'éternité des cadavres, franchement, c'est quand même pas tout à fait légal. Mais toi, tu me suis dit, là, je suis d'accord. Il faut y aller. Il faut trouver ce qui se passe. Je ne veux pas aller chercher mon ukulélé avec moi, je l'ai oublié. Oh, bah certainement. Venez, restez ici. Moi, je ne veux pas y aller, quoi. Moi, je voulais dormir. Hein. Allez, fille. Il faut que le groupe reste. Amène-la. On est obligé. Je vais dormir. Moi, je suis d'accord pour y aller. Pensez à intégrer des cours de musique. Quelque chose qui apporte un bienfait à tous, parce que le ukulélé est dans notre monde. Là-bas, dame Geneviève. Moi, je vais la déterrer, dame Geneviève. Je veux d'avoir le cœur net de cette histoire. Moi, je trouve ça extrêmement louche. Il y a la vérité à déterrer, hein. On a la vérité à déterrer. La conversation avec notre ami de Lily. Vous en avez parlé un petit peu, oui. Non, je lui ai juste conseillé de changer d'orientation, ce qui est de sa musique, peut-être d'essayer un autre instrument. Si, Qu'elle fasse des cours de musique, carrément, oui, ce serait un soulagement pour tout le monde. Je pense que s'agissant d'amour, il doit y avoir une façon de quand même aborder différemment la question de la musique. Ah oui, hein, bien sûr, parce que... Bon, allez, on se dépêche là, les filles. Oui, on se dépêche. Allez, on va sortir un CD. Elle chante aussi, Nabila. Tu savais ça? Mais non, je savais pas. Si, si, si. On y est bientôt? Oui, je me souviens. Ils sont là-bas. C'est ah, c'est là que tu aller. Je me souviens, moi, je suis allée le prendre. Mais chérie, qu'est-ce que c'est? Mais chérie, oh, mais c'est pas possible! 500 euros pour une retraite spirituelle? Qui est-ce qui râle là? Quelle horreur! Elle n'a rien dit, hein? Oh. Et cet Orgul là, il est bizarre aussi quand même! Hein. Oui, Orgul est bizarre, ça c'est sûr! Orgul est bizarre! En tout cas, il ne faut pas qu'il vienne nous surprendre, hein. Moi je vais avoir peur! Ça ressemble à quoi un châtaignier? Mais c'est vrai, si Orgul vient! Qu'est-ce qu'il faisait ce matin? Il dormait dans sa caravane, c'est quelqu'un ça a vérifié qu'il était bien en train de dormir? Il dormait dans sa caravane, Orgul? Ah non, moi j'y vais pas. Je n'ai pas vu. On pourrait avoir des problèmes, hein, s'il arrive. C'est la dernière fois que je fais une retraite spirituelle. Mais oui, je sais, Mirabelle, mais sache que le chemin ne marche jamais. Ça, c'est le chemin de notre vérité. Le chemin ne marche jamais, il mène à la vérité. Bon, moi, j'en ai marre, hein. C'est loin ou pas? Attention, attention. Le chemin de la vérité. Oui, je sais, c'est pas drôle, mais...
Oui, bah, le chemin de la vérité, certaine que là, dans mon lit, hein. Je suis certaine que là, nous allons trouver. Je suis certaine, croyez-moi. C'est surtout le châtaignier qu'il faut trouver. Ça va me casser les ongles. Oh. Bah oui, hein, c'est important. Une cabosse. Ça, c'est étrange, qu'est-ce que c'est? C'est le chemin de la vérité. Oh, mais ça suffit, Mélusine, ça suffit. Le chemin de la Figuline. Vérité. Pamela, elle va trouver un truc, hein. Oui, elle va nous aider. Pamela a trouvé quelque chose. Je suis sûre que c'est... Cet endroit est bourré d'énergie négative. Donc, c'est ça. Vous le sentez, vous? Oui. Moi, non. On va creuser là. Moi, ça m'a refroidi le corps. Hein. Gérard, tu es d'accord? Ouais, je suis d'accord. Ouais. Alors, toi, tu creuses. Moi? Tu sais pas creuser. Qui est-ce qui sait creuser, là? Oh, mais Gérard, personne ici ne sait creuser. Gérard, je veux bien creuser, si c'est plus toi. Prenez l'appel et faites-le vous-même. Ça m'a l'air plus logique. Oui. Allez, Gérard, on l'encourage. Gérard, on l'encourage. Gérard, on l'appelle. Attention à Pamela quand même. Hein. Viens, Pamela. Pamela. Tu lui envoies pas de la... Pamela. Pamela. Allez, viens voir maman. Gégé. Allez, 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 allez. Ouais. Vous voyez, il y a des pierres là. Vous voyez, il y a des pierres dessous. Oui, oui. C'est oui. Ce qu'il avait dit, Orbit. Il avait mis des pierres là. C'est ça, tout à fait. Allez, Gégé. C'est trop fort. Ah, il y a une pierre. Ah, c'est dur. Pierres, c'est voilà. Voilà. Mais oui, pauvre Gégé. J'ai des pierres. Il n'y a pas une fille qui peut me remplacer là parce que. Vous êtes déjà fatigué, Gégé, avec toute l'énergie que vous êtes censé pouvoir déployer. Je vais le faire, je vais vous entendre. Ah, c'est dur. On passe tous les uns après les autres. Je vais le faire. Gégé est fatigué. Oh, Pamela, t'es où? Madame Geneviève. Vous êtes là, Madame Geneviève? Je prends le relais. Vous êtes fatiguée, là. Ah, oh, merci. Hein? Oh, merci. Allez. Ah, merci. Ah, c'est bien, Pomme, c'est bien. Pomme, elle est sur le chemin, je crois. Hein? Elle est sur le chemin. Elle l'a bien emprunté. Oui, le chemin. Bon, allez, on remplace, là. Ah. Bon, ben, je vais apporter ma contribution à cette triste affaire. Ah, merci, Mme Mirabelle. Allez, comme ça. Voilà, allez, Mirabelle. Une. Et deux. Ah, putain. Elle fait des efforts, c'est bien. Mais oui, c'est il faut l'encourager. Il faut l'encourager. Bravo. Vraiment, je suis admirative. Bravo, Mirabelle. Bravo, allez. Bon, on n'y arrivera pas comme ça, là. Non, on n'y arrivera pas comme ça. Allez. Et Mirabelle, elle a creusé. Taisez-vous. Taisez-vous, Figuline. Allez, on peut chanter. Allez. On verra après pour la prunette, on verra après. Oh, franchement. C'est à mon tour de creuser. Ah, merci, Figuline, merci. Prunette, j'ai des gants à te prêter si tu veux pour pas t'abîmer tes ongles. Ah, je veux bien. Tu creuseras si t'as des gants? Moi, je pense que Gérard devrait reprendre parce que sinon nous n'y arriverons jamais et à midi nous serons toujours là. Allez, laissez tomber les filles là. C'est dommage. J'y crois, Mirabelle. Mais je fais. Voilà, vous voyez ce que c'est de creuser. C'est pas difficile quand même. Ouais, tu arrives trop bien, Gégé. Bravo. Ah putain, il y a encore une pierre. Il y a des pierres, c'est ça? Hein? Voilà. Oh, attendez, je vois quelque chose. Oh mon dieu, quelle horreur. De merde. Oh mon dieu, quelle horreur! Il y a des ossements! C'est horrible! Sacré! C'est bien ce que je crois que c'est? C'est comme je viens! Je suis certaine! C'est épouvantable! Mon dieu! Regarde la voix! Je la vois! Mirabelle! Vous êtes sur la voie!
mais ça alors. Oh, bah, si j'avais imaginé ça une seconde. Chemin. Hein, je crois que ça y est, grâce à Litchi, je suis devenue une femme. Hein. C'est pas mal la liaison parce que aussi, voilà, j'ai fait des progrès en orthographe grâce à Litchi, grâce aux filles et puis le maquillage. Hein, c'est Prunette qui m'a appris à me maquiller. Donc je vais pouvoir m'épanouir pleinement comme ça. Quoi. Bon, par contre, je repars de mon week-end avec un petit rhume. Bon, ben ça, c'est l'air de la campagne hein, qui est un peu humide. Voilà, mais bon. Et puis, parce que ce matin, on s'est quand même levé tôt, dans la fraîcheur et dans les feuilles toutes mouillées, je crois que j'ai pris froid par les pieds. Bon, ben voilà, c'est pas grave, hein, ça va passer. Et ben voilà, en tout cas, merci Litchi, parce que je suis devenue grâce à elle une vraie femme. Et voilà, j'ai trouvé vraiment la voie de mon chemin grâce à elle. Voilà, merci. Attends, faut que je me remaquille, vérifier, tout soit en place, c'est important, hein. Alors là, attends, là il faut dire en fait comment on a trouvé le week-end, c'est ça? D'accord, bon alors moi, au début, je me suis dit, on est à la campagne, il n'y a pas beaucoup de magasins, ça va être difficile, et après j'ai discuté avec... avec Litchi, c'est ça.
Des fois, ma mémoire, elle oublie les trucs. Donc j'ai discuté avec Litchi et en fait, on a refait le point. C'est vrai que j'ai fait beaucoup, beaucoup de séminaires. Et puis celui-là était bien. Alors celui-là, il était un peu particulier. Ce matin, j'ai eu peur quand même quand on a déterré. C'était bizarre, il y avait le fantôme, tout ça. Mais il y avait Gérard aussi. Et puis voilà, donc finalement, ben, je repars épanouie, encore plus belle et avec un amoureux.